Nous n'avons pas le choix, ma sœur. Il faut que la transition réussisse. Nous attendons une grande réussite pour la transition. Notre pays connaît plusieurs crises depuis 2012 à nos jours. Nous avons connu des crises sécuritaires, politiques, tout ça. Donc aujourd'hui, avec l'investiture du nouveau président de la transition et de son vice-président, nous lançons un appel à tout le peuple malien de nous donner la main et d'avoir confiance aux nouvelles autorités, de les accompagner pour que la transition soit une réussite. La réussite de la transition, c'est la réussite pour le Mali. Donc nous n'avons aucun choix, nous sommes obligés, nous sommes condamnés à ce que la transition réussisse. Et nous souhaitons, Inch'Allah, la transition va réussir. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise les cœurs des Maliennes et des Maliens et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège et bénisse le Mali.